Bravo, bravo. Je demande pardon, mademoiselle, mais mademoiselle fait l'ouragan d'une manière. Comment l'ouragan? Ce sont des gammes. Moi, j'appelle ça de l'ouragan, mademoiselle. Ça représente mieux l'imagination. Tandis que gamme, c'est bête, mademoiselle. C'est le vent. À la campagne. À travers les portes. C'est tout à fait ça. Peut-être, mais à Paris, on appelle ça des gammes. Ah, c'est peut-être pas. On m'a dit de tout traduire en anglais. Allons, ne commence pas. Dis-moi, maman est-elle déjà partie? Il y a un bon quart d'heure. Oh, c'est égal. En voilà une corvée! Tu ne sais pas où est-elle, maman? Non. Devine. Elle est allée comparoir. Comparoir? Oui. Devant le tribunal de la 9e chambre correctionnelle. Madame aux polices correctionnelles! Mais non, rassure-toi! Comme témoin seulement! Une affaire de cocher, insulte aux agents, je ne sais quoi, et impossible de remettre encore. Enfin, voilà comment elle est allée comparoir, maman. Ben c'est moi qui me reste là, à comparoir. Toi? En voilà une idée. Bon, laisse-moi faire mon piano, tu me fais perdre mon temps avec ta réflexion. L'aimes-tu au moins le piano? Quand c'est mademoiselle qui en joue, je crois bien. Quand c'est moi, non. Comment? Tu connais le piano? Oui, mademoiselle. Ma mère en avait un vieux au village. Et tu t'en servais? De garde-manger, oui, mademoiselle. Au pays, nous n'avons pas les moyens de cacher des pianos pour en faire des instruments de musique. Ah, à propos de musique, il viendra tout à l'heure un monsieur. C'est un professeur de piano, un professeur très célèbre, un maestro, comme on dit, un maestro du primo cartello. Encore de l'anglais. Et original, paraît-il, comme on n'en voit pas. Il s'appelle... À ma foi, je ne sais pas son nom, mais c'est un nom très connu. Molière? Mais non. Oh, c'est vrai, c'est un fabricant de fontaines en fonte, Molière. Enfin, n'importe, ce monsieur viendra et demandera si madame est chez elle. Je répondrai que madame est sortie. Non, tu le feras entrer, c'est moi qui le recevrai. Comment? Mademoiselle, comment elle est sortie? Mais oui, c'est convenu avec maman, il n'y a pas moyen de faire autrement, pense donc. Un maestro, on ne peut pas le prier de repasser comme un vulgaire coureur de cachet. Quand on a rendez-vous avec un maestro, il faut être exact, il n'y a qu'eux qui peuvent ne point l'être. Tout le contraire, un domestique. Enfin voilà, ce monsieur viendra, tu le fais rentrer, et maintenant, laisse-moi faire mes gammes. C'est aride. Et dire qu'il faut apprendre. Aujourd'hui, on ne vous épouse que lorsque vous savez jouer du piano. Me semble pourtant que c'est pas pour cela qu'on se marie. Oh, les gammes, surtout! Dieu, que c'est ennuyeux! Mais enfin, il paraît qu'elle délie les doigts. Comme si on ne pouvait pas être une bonne épouse sans avoir les doigts déliés, je vous demande un peu. Oh, si les jeunes filles pouvaient parler librement, je dirais tout simplement à celui qui veut m'épouser, « Monsieur, me voilà, je n'ai pas 20 ans, je ne sais pas jouer du piano, mais je ne vous demande pas de savoir jouer de la flûte. Le mariage n'est pas un concert, c'est... Je ne sais pas bien ce que c'est, mais enfin, on ne se marie pas pour faire de la musique. Si vous voulez m'épouser son piano, voilà ma main, sinon j'ai bien l'honneur de vous saluer. Et voilà! Seulement, nous autres jeunes filles, il faut toujours nous sacrifier. Mademoiselle, voici le monsieur, le maestro, comme dit mademoiselle, qui prime l'eau, car pas l'eau. Voici sa carte. Édouard Loriot. Ah, c'est un drôle de nom. C'est bien, fais-le entrer. À propos, est-on venu de chez Brandus? Je ne crois pas, mademoiselle. Vas-y tout de suite. Si monsieur veut bien prendre la peine d'entrer, mademoiselle prie monsieur de l'attendre un instant. Ah, mademoiselle prie monsieur de... Enfin, elle me prie de... Mais dites-moi, vous lui avez remis ma carte? C'est très bien. Quand elle a vu mon nom, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Tiens, c'est drôle de nom !» Ah, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai entendu. Je vous remercie. Allons, décidément, je me lance. Hein. Je suis à Paris depuis 15 jours, j'arrive de Toulouse. Mais je ne sens pas du tout ma province. Ainsi, pas d'accent. C'est peut-être parce que j'ai été élevé à Dunkerque. Je suis jeune, élégant, millionnaire. Oui, j'ai 15 000 livres de rente. En province, cela suffit pour être millionnaire. Bref,
Cette fortune me permet d'avoir des amis qui me disent que je suis le plus parisien des parisiens. Mais je le crois. Je m'habille chez le premier tailleur. Mon coiffeur est le coiffeur à la mode. J'ai des princes que je tutoie, un duc que je conduis. J'ai tout. Enfin tout. Sauf l'essentiel. Une liaison qui me pose. Alors je me suis dit, allons voir la du Barrois. Tout le monde en parle comme d'une des femmes les plus chics de Paris. Je ne la connais pas, mais elle ne peut être que très bien. Et puis c'est une de ces actrices qui vous pose tout de suite un homme. Je m'enquiers de son adresse et me voilà. C'est très bien. Voilà le salon. Oh! Très chic. Et cette porte, elle donne sans doute sur la... Nous verrons cela plus tard. Ah, vous ne trouviez pas... Mais ça ne fait rien, mademoiselle. Oh, mais moi, je ne peux pas me passer de musique. Prenez donc la peine de vous asseoir. Ah. Le fait est que la musique est un bien bel art, mademoiselle. Oh, le plus beau de tous, monsieur. Je veux qu'il ait une bonne opinion de moi. Oh, je l'adore, moi. Je flatte ses goûts. Les commencements, par exemple, sont bien pénibles. Oh, ma foi, mademoiselle, je ne me souviens pas d'avoir jamais commencé. Il est très fin, mais ma foi, c'est comme tous les artistes. Aimez-vous beaucoup Wagner, monsieur? Wagner? Le pharmacien! Le pharmacien? Le pharmacien de Toulouse! Mais non, le musicien? Ah! Le musicien? Ah oui, oui. J'en ai entendu parler. Il paraît même qu'il fait de la musique! Comment il paraît? Parfaitement, j'en ai entendu parler, si j'abordais la question. Et Mozart? Pardon. Qu'en pensez-vous? Bah, mon Dieu, mademoiselle, je n'y pense pas, mais je... Mais alors, monsieur, quel est votre compositeur favori? Hein? Bah, c'est... Cordillard. Cordillard? Qui est-ce, ça? Bah, c'est un de mes amis. Ah! Un musicien de talent. C'est l'auteur du Chicard de Chicago. Je ne connais pas. Oh, et c'est très bien... On a du chic à Chicago, Chicago loin du Congo, plier les pattes tous les gogos. Voilà le chicard de Chicago. On a du chic à Chicago, Chicago loin du Congo, plier les pattes tous les gogos. Voilà le chicard de Chicago. Enfin, mademoiselle, nous parlons, et pendant ce temps-là, je ne vous explique pas... Quoi donc, monsieur? Et la raison de ma venue ici? Ah, je l'avais deviné tout de suite. Ah, vous l'avez? Parfaitement. Oh, les femmes de Paris sont d'une perspicacité... Oh non, non, monsieur, je vous attendais. Ah, vous m'attendez?
Vous me connaissez donc ? Moi non, mais qu'importe, on fait connaissance. Oh, c'est vrai. Long, long, cela ira tout seul. On dit que vous êtes très à la mode. Oh. Mais j'ai un assez bon tailleur. Non, je veux dire que vous êtes très lancé. Ah, parfaitement. Vous avez sans doute passé par le conservatoire. Le conservatoire. Ah, Faubourg Poissonnière. Oui, j'ai passé devant. Pourquoi me parle d'elle du conservatoire? Ne m'a-t-on pas dit que vous aviez eu un premier prix? Oh, il y a si longtemps. J'avais 9 ans et c'était un prix d'orthographe. Cela ne vaut vraiment pas la peine d'en parler. Quel drôle de conversation. Il est un peu original. Mademoiselle, je m'appelle Édouard Loriot et je suis âgé de 25 ans. C'est un bel âge. C'est un très bel âge. Cependant, pour ce qui nous intéresse, l'âge fait peu de choses. Ah, vous trouvez? Certes. Ah, vous. Cependant, vous m'avouerez que les jeunes sont préférables. Et les vieux ont plus d'expérience. Plus d'expérience, soit. Mais cela ne suffit pas. Je sais que l'on dit « si vieillesse pouvait », mais le proverbe dit aussi « si jeunesse savait ». Oh, mais moi, mademoiselle, je sais. Oh, je ne parle pas pour vous, monsieur. On n'ignore pas que vous avez fait vos preuves. Ah, vous savez. Bah, ne parlons pas de cela. D'ailleurs, j'espère bien que vous me le prouverez. Moi? Certainement. Mais quand vous voudrez, mais avec plaisir. Oh, si je vous le prouverais. Mademoiselle, je suis aux anges. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Ce que j'ai, mademoiselle. J'ai de la fortune. Alors c'est uniquement pour l'amour de l'arc? Oh, et de l'artiste, mademoiselle. Et de l'artiste. Monsieur, il est très galant. Horace, mademoiselle, je voulais vous dire, en passant, que je serai très facile sur toutes les questions, comment dirais-je, sur toutes les questions pécuniaires. On a dû vous dire, monsieur, je suppose, quelles sont les conditions? Les conditions? Oui. On ne m'a rien dit du tout. Elle va m'écorcher. Mon Dieu, monsieur, c'est 400 francs par mois à 4 séances par semaine. Ah? C'est à la séance? Oui, monsieur. 400 francs par mois, et voilà tout. Quoi? Vous ne trouvez pas cela suffisant? Et l'on dit que la vie est chère à Paris. Il semblerait que vous n'êtes pas satisfait. Mais c'est qu'en vérité, je suis étonné. Ah, monsieur, vous m'aviez promis de vous montrer facile, et puis, vous savez, si tout va bien, eh bien, je puis vous dire que l'on ne vous refusera pas une petite gratification à la fin du mois. Ah oui? Ah, très bien. Je me disais aussi, oui, connu les petites gratifications. Au reste, monsieur, ce n'est pas moi qui m'occupe de ces détails d'intérieur, et si vous ne trouvez pas cela suffisant, eh bien, vous en parlerez à ma mère. Aïe, aïe. Vous avez une mère? Qu'est-il? Je dis, vous avez une mère? Une vraie? Je ne comprends pas, monsieur. Vous avez bien dû la voir, je suppose. Sans cela, vous ne seriez pas ici. Ah oui, en effet. Je n'ai rien vu du tout. Bien, alors, vous pourrez vous entendre avec elle. Aïe, aïe. Pourtant, je doute qu'elle consente à la moindre modification. Elle ne consentira pas, vous croyez? J'en suis même à peu près sûre. Alors, mademoiselle, puisqu'il le faut, je me résigne. Va pour 400 francs par mois. Et à 4 séances par semaine. À 4 séances. Allons, voilà qui est bien. Nous allons pouvoir commencer. Comme ça? Tout de suite? Bah oui, si vous le voulez bien. C'est étrange, qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Ça? Qu'est-ce qu'elle cherche? Allons, j'aurais laissé dans ma chambre. Je suis à vous, monsieur. Oh! Cela n'a pas été long, hein. Allons, cela se fait militairement, cette maison, hein. Sapristi, une, deux, on en va en marche, hein. Oh, voilà le progrès, hein. Comme on est en retard, en province. Enfin, voilà une petite aventure qui va joliment me lancer. Elle est sortie par là. Voici, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est un livre que mademoiselle appelle comme ça, les sonnettes de Beethoven, et que mademoiselle a dit de remettre à monsieur. Les sonnettes de Beethoven? Ça doit être de la botanique. Ah! Les sonates de Beethoven! Je crois. C'est possible seulement, cela ne signifie plus rien alors. Qu'est-ce qu'elle veut que j'en fasse? Sûrement pour que monsieur en fasse la lecture. Ah, merci. Je demande pardon à monsieur, mais monsieur sait-il où il va? Mais parfaitement, mon ami, mais parfaitement. Ah, c'est que cette chambre... Quoi? Est-ce que par hasard... Parle! Parle donc! Ah oui, c'est la chambre à coucher, monsieur. Bien oui, la chambre, le sanctuaire discret, le temple de Vénus... Où repose la mère de mademoiselle? Ah! Oui, monsieur. Quoi? C'est la mère! Mais c'est la mère! Mais c'est impossible!
Eh bien, et ma pièce? Pardon, monsieur. Ah, c'est juste. Tenez, voilà 20 francs. Mais ce n'est que 20 sous. Oui, gardez-les tout de même. C'est la mer. C'est la mer qui... Et moi qui croyais que... Et voilà le renseignement que je paie au poids de l'or. Voici, monsieur, tout ce que j'ai pu trouver. Qu'est-ce que c'est que cela? Eh ben, c'est le bateau. Et c'est pour... Oui, je trouve qu'il n'y a pas moyen de bien jouer sans cela. Ah bah tiens, ça c'est une drôle d'idée. Allez, prenez une chaise, mettez-vous là et battez. Ah, allez, il faut que... Tenez. Elle veut me faire battre les meubles à présent. Je suis pas très forte, je vous en préviens. C'est une épreuve, hein. Comme dans la franc-maçonnerie. Allons, commençons. Battez. Non, mais je veux bien, hein, mais je vous préviens que cela risque de faire un peu de poussière. De la poussière? Ah non, tant pis. C'est égal, c'est humiliant, enfin. Je bats. Mais qui est-ce qui vous a dit de... Mais vous? Moi? Vous m'avez dit de battre. Mais oui, de battre. La mesure. Ah, la mesure. C'est la mesure qu'il faut battre. Mais oui. Quel drôle de professeur. Oh là 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 là. Allons, recommençons. Quelle aventure, mon Dieu. Tout n'est pas rose dans le métier de protecteur d'actrice. Obligé de battre la mesure quand on n'entend rien à la musique. Si mes amis me voyaient comme ils riraient. Je ne lui ai pas demandé de la musique, moi, et me voilà obligé d'avaler un morceau ennuyeux qu'elle ne joue pas bien après tout. Je suis pas venu pour ça, moi. Enfin, je me lance. Eh bien, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et vous voyez, je bats la mesure. Mais il y a longtemps que je ne joue plus. Oh, pardon. Alors, il est très distrait. Mademoiselle, vous devez être fatiguée. Moi, pas du tout. Voyez-vous, la musique est une belle chose, mais il ne faut pas en abuser. Mais je ne fais que commencer. Comment elle ne fait que commencer? Mais il y en a déjà trop, mademoiselle, il y en a déjà trop. Mais cependant, monsieur, songez que nous n'avons que 4 séances par semaine et qu'elles ne sont que d'une heure. Bah, c'est bien ce que je vous dis. Si vous me jouez du piano pendant l'heure entière, qu'est-ce qui va nous rester pour... Bien pour le reste. Non, je crois qu'il a un petit grain. Tenez, laissez votre piano. Vous aurez bien le temps quand je serai parti. Ouais, fermez cela. Il a une façon de donner sa leçon, par exemple. Et maintenant, chère mademoiselle, cause. Aimez-vous les huîtres? Monsieur. Je vous demande si vous aimez les huîtres. Beaucoup, monsieur. Je ne suis pas rassurée. Alors, nous disons des huîtres. Et la bisque? Qu'est-ce que vous pensez d'une bonne bisque? Je n'en ai jamais mangé. Oh, c'est excellent. Des huîtres et une bisque. Et maintenant, qu'est-ce que vous demandez? Mais je ne demande rien, moi, monsieur. Au reste, remettez-vous-en à moi, je ferai tout pour le mieux. Heureusement que sa folie est douce. Avez-vous une enveloppe, mademoiselle? Là, là, sur la table. Vous ne faites rien à minuit. Moi? Après le théâtre, ce soir. Mais je ne vais pas au théâtre ce soir. Ah, vous faites relâche. C'est pour le mieux. Et on laisse sortir comme ça tout seul. Monsieur Brébank, boulevard Montmartre. Comme ça, on nous réservera le cabinet pour minuit. Voulez-vous me permettre, mademoiselle, de sonner votre domestique? Il va venir, monsieur. Mademoiselle a sonné? Dites-moi, mon garçon. Veuillez remettre cette lettre à un commissionnaire pour qu'il la porte tout de suite à son adresse. Bien, monsieur. Ne témoigne pas! Et maintenant, chère mademoiselle, de quoi allons-nous causer? Parlons un peu de vous, de vos succès. Figurez-vous que je n'ai pas encore vu la pièce. Quelle
pièce. La petite cabaretière, parbleu! Oh, monsieur, mais ça, ce n'est pas une pièce pour jeune fille! Mais je ne suis pas une jeune fille, moi! Vous non, je le sais bien! Aussi, n'est-ce pas pour vous que je parle? Oh, bah tenez! J'irai ce soir! Ah oui, très bien, c'est une très bonne idée, s'il croit que ça m'intéresse! Oh, mais vous savez, c'est uniquement pour vous! Ah, c'est pour moi que... Oh, uniquement! Ah, c'est trop aimable! Pauvre garçon, c'est si triste à son âge! Ah, vous faites joliment parler de vous en ce moment. De moi. Dame, tout Paris vous admire. Votre nom est dans toutes les bouches. Tous les journaux vous portent au nu. Moi? Aussi, ce que vous avez d'adorateur. Oh. Ce qu'il y a de cœur qui brûle pour vous. Monsieur! Eh bien non, tout cet encens, toutes ces louanges ne vous éblouissent pas. Vous êtes toujours là, simple, impassible dans votre gloire et comme insouciante aux choses du dehors. L'orgueil qu'amène souvent la renommée n'a pas de prise sur vous et votre accueil est si charmant qu'on se trouve tout de suite à l'aise en votre présence. Ainsi tenez, moi, quand je suis venu à vous, timide et tremblant, vous m'avez accueilli, très bien accueilli, avec de la musique, même beaucoup de musique. Et au lieu de l'échec que j'attendais, c'est un triomphe que je remporte. Je craignais d'être mis à la porte et non seulement je reste, mais en plus... Vous me faites le plaisir d'accepter un petit souper chez Brévan. Mademoiselle, chère mademoiselle, laissez-moi vous le dire, vous êtes un ange. Assez, monsieur, assez! Assez? Non, ce n'est pas assez! Je suis riche, je suis riche. Moi, n'est-ce pas, vous m'aimerez un peu? Ah, laissez-moi, monsieur, je vous en prie. Mais voyons, vous ne me comprenez pas. Vous n'avez donc jamais lu Roméo et Juliette, Paul et Virginie, Daphnis et Chloé, Héloïse et Abella. Voilà ce que je suis. Un Roméo sans Juliette, un Paul privé de Virginie, un Daphnis à la recherche d'une Chloé, un Abella à la... Non, ça n'a pas de rapport. Mais c'est vous que j'ai choisi. C'est vous que j'aime. Et l'amour m'a rendu fou. Fou ! J'en étais sûre ! Oh mon Dieu, que faire ? Venez ! Venez près de moi. Ah, monsieur, laissez-moi ! Mais quoi ? Vous avez peur ? Ah, laissez-moi, je vous en prie ! Mais ne tremblez donc pas comme ça ! Je ne veux pas vous faire de mal. Qu'est-ce qui peut donc vous effrayer dans mes paroles ? Je ne vous dis que des choses très... très logiques, cependant. Très logique, très très logique. Il ne faut jamais les contrarier. Mais, tenez... Très calme, je m'assieds. Là, vous n'avez plus peur. Avouez que c'était de l'enfantillage. Oh, monsieur, un pareil discours à moi. Quoi? C'est donc la première fois que l'on vous parle de la sorte? Oh, monsieur. Il me semble cependant qu'au théâtre... Au théâtre? Madame, quand on est actrice... Actrice? Qui ça? Mais vous? Moi, actrice? Jamais de la vie, monsieur. Vous n'êtes pas... Mais pas du tout. Vous n'êtes pas mademoiselle du baron? Mademoiselle du baron, mais quelle idée! Vous voulez rire? Avouez que vous voulez rire! Non, c'est très sérieux, je vous assure! Mais alors, je ne comprends pas. Je perds la tête. Pourquoi suis-je ici? En effet, je ne vois pas. Je me demande. Ah bah, c'est comme moi. Je me demande... Ça fait que nous nous demandons tous les deux. Je dois être absolument ridicule. Attendez, je crois que je comprends, mais oui, c'est cela. Je sais que nous avons pour actrice une voisine, ce doit être mademoiselle du Barrois. Et alors vous vous serez trompée de maison, voilà tout. Elle demeure au numéro 2 bis, alors qu'ici c'est le numéro 2. Ah, c'est le numéro... 2, parfaitement. Ah, c'est le... Alors c'est dans l'hôtel d'à côté que... Tandis que moi, je... Où est mon chapeau? Voici, monsieur. Ah.
mademoiselle, je suis confus, honteux. Oh, ça ne fait rien, monsieur, tout le monde peut faire des erreurs. Étonnez, moi-même, je vous ai pris pour un professeur de piano. Professeur de piano, moi? Mais je ne sais pas en jouer. Voilà pourquoi je vous ai fatigué de la musique, pourquoi je vous ai fait battre la mesure, ce dont vous vous acquittez assez mal, il faut vous rendre cette justice. C'est que je n'ai jamais été chef d'orchestre, moi. Enfin, monsieur, tout s'explique et tout s'arrange. Je vous présente mes excuses. Monsieur, je vous rends votre liberté. Je comprends, mademoiselle. Mademoiselle Dubarrois demeure à côté. Je n'irai pas chez mademoiselle Dubarrois. Je n'en ai plus envie. Mademoiselle, j'espère qu'un jour, bientôt peut-être, nous aurons l'honneur d'être présentés. Mon Dieu, on se retrouve dans le monde. Et de renouer ainsi une connaissance faite ici, d'une si étrange façon. Je souhaite que le hasard vous vienne en aide, monsieur. Au besoin, ce sera à moi qui l'aiderai, mademoiselle. Mademoiselle. Monsieur. Mademoiselle. Allons, j'étais venu pour me lancer, et je n'aurais jamais cru que ce serait dans cet état-là.